Je m'appelle Marie gage je suis directrice de recherche en philosophie au CNRS. J'ai développé des recherches sur deux thématiques en philosophie de la médecine. D'une part, les enjeux éthiques des décisions médicales, en particulier au seuil de la vie, fin de vie, début de vie. Et euh, par ailleurs, je me suis intéressée à la relation entre santé, pathologie et milieu de vie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter euh, mon livre intitulé En soutien à la vie, éthique du Caire et médecine. L'éthique du Caire, c'est euh, un courant théorique, philosophique, qui s'est développé peu à peu depuis les années 1970, 80, d'abord en Amérique du Nord, ancré dans un travail de psychologie morale, celui de euh, Carole Gilligan, puis développé euh, dans des travaux euh, de philosophes euh, souvent féministes ou se revendiquant du féminisme philosophique, de la pensée politique et morale, et l'objectif, en fait, de cette euh, Théorie du Caire, éthique du Caire, c'était euh, de renouveler les manières dont nous interrogions euh, à la fois l'éthique et la politique, en prenant un petit peu le contre-pied de certaines euh, théories et notamment des théories qui sont centrées sur l'individu, qui ont beaucoup travaillé euh, la thématique de l'autonomie individuelle et d'une certaine manière qui promeuvent ou et présuppose euh, que l'individu est un être autonome par rapport euh, aux autres. Ça, c'est un premier point. Et puis, le deuxième point, tout à fait central, je pense, pour comprendre euh, l'éthique du Caire, c'est la volonté de ces théoriciennes, puisque ce sont d'abord euh, des femmes, d'avoir été en direction d'autres espaces que les espaces habituellement explorés, pensés par la philosophie politique et la philosophie du droit, notamment, donc, les sphères institutionnelles, gouvernementales, les cours de justice. Et et donc d'aller vers des euh, territoires, si je puis dire, ou des espaces de vie comme euh, la maison, les espaces domestiques, les relations interindividuelles, hors, je dirais, des, des sphères institutionnelles. Alors il ne s'agissait pas, se euh, faisant euh, de rejeter nécessairement tous les acquis de la philosophie politique libérale, mais vraiment d'ouvrir tout un autre espace à l'exploration. Et sous ce, cette appellation d'éthique du Caire, en fait, il faut bien entendre à la fois une exploration de la dimension morale de la vie humaine et euh, une exploration. De la dimension politique de la vie humaine. Donc, on a des travaux tout à fait importants, donc notamment sous la plume de Joan Tronto, qui ont été traduits au moins en partie en France. Et l'éthique du Caire, en fait, petit à petit s'est exportée et a notamment fait l'objet d'une réception en France à travers des travaux, cette fois-ci disciplinairement pluriels, je dirais, de philosophes, mais aussi de sociologues et de psychologues. Et à partir des années 2010, notamment, mais je dirais même avant, Dès les années 2000, euh, des collègues et personnes comme Sandra Logier, Pascal Molinier, Patricia Paperman ont investi ce terrain de l'éthique du care et euh, l'ont installé littéralement euh, en France en choisissant précisément de ne pas traduire euh, le terme de care par notamment ce terme de soins. Je vais revenir sur, cette, euh, sur cet enjeu et de garder cette appellation un peu provocatrice à certains égards, à la fois euh, sur le plan linguistique, sur le plan philosophique, euh, de euh, l'éthique du care.

Pourquoi elles ont fait cela Parce que je pense notamment en France, la notion de soins est à la fois dans le langage courant et dans les conceptualisations philosophiques, extrêmement arrimées au domaine de la médecine. Et elles voulaient précisément montrer que l'éthique du care n'était absolument pas réduite à ce monde médical et au contraire donc finalement permettait d'aller vers tous les espaces de la vie humaine. L'autre point qu'elles avaient à cœur de mettre en évidence, et je reviendrai sur, ce, sur cet élément c'est que cette idée de care euh, incarne une forme de prendre soin, être à l'écoute, faire attention à, ne pas négliger, euh, euh, qui euh, finalement euh, peut englober bien sûr les gestes médicaux, mais subsume ceci ou les les, les les rend comparables, les rend pareils à d'autres gestes de, de prendre soin, de faire attention à. Et c'était aussi une façon de réinscrire la médecine dans un ensemble beaucoup plus vaste de gestes de prendre soin. Donc à partir de là, effectivement, elles ont euh, euh, a choisi d'adopter cette notion d'éthique du Caire. Alors d'abord cette réception et la plupart des textes de philosophie américaine euh, euh, ont exploré les questions liées à la vie humaine, mais euh, assez rapidement l'éthique du Caire s'est aussi développée en direction d'une interrogation sur l'éthique du vivant, du rapport entre les êtres humains et le vivant, entre les êtres humains et leur environnement, et donc s'est élargie euh, de façon euh, extrêmement forte pour porter une interrogation sur le soin du monde. Euh, de, façon, euh, de façon beaucoup plus large. Euh, et je dirais euh, euh, aussi peut-être euh, pour euh, finir de présenter euh, l'éthique du Caire euh, assez euh, rapidement à grand trait que euh, la définition euh, fonctionnel quand on proposait euh, Joan Tronto et Berenice Fischer. Je dis fonctionnel parce que c'est elle-même qui en fait ont voulu et ont, ont affirmé qu'elle voulait se doter d'une définition assez simple, assez maniable finalement comme un peu une boîte à outils sur le plan éthique du, de l'éthique du Caire, C'est euh, euh, à reposer sur quatre piliers. Euh, donc je me permettrai de, de, de rappeler euh, rapidement. Euh, il y a différentes manières en fait dont on euh, peut euh, prendre soin, faire attention à. Il y a la question du caring about, donc qui pointe l'idée de reconnaître un besoin. On peut passer à côté d'un besoin, on peut le négliger, on peut être indifférent à ce besoin. Donc le caring about, c'est d'abord reconnaître un besoin. Ensuite, il y a la dimension du taking care of et du caring for qui implique le fait d'assumer la responsabilité, de répondre aux besoins identifiés. Je peux très bien reconnaître un besoin mais ne pas du tout euh, m'en occuper moi-même, ne pas du tout le prendre en charge euh, moi-même. Il y a celle aussi de la dimension du caregiving. Qui permet euh, finalement d'aborder les pratiques, les différentes pratiques du euh, prendre soin, être attentif à, être à l'écoute. Et puis il y a euh, la question ou la dimension du care receiving qui permet d'attirer l'attention sur l'aptitude à recevoir de l'attention, des soins et euh, avoir des réactions à l'égard euh, de euh, cette activité de care. Donc ce sont les quatre éléments qu'au départ Joan Tronto et Berenice Fischer ont, ont mis en avant. Ensuite, dans les années 2010, dans un ouvrage qui était plus fort politique je dirais encore que les précédents joanne tronto a mis en avant une dimension qu'elle euh, caractérise comme celle du caring with hein, et euh, ce, ce caring with en fait c'est une manière de revenir à des enjeux de euh, démocratie politique euh, et euh, de pointer notamment la manière dont euh, les sociétés et leurs gouvernements euh, s'emparent en fait de ces questions de CARE s'empare de ces questions de soins, de protection sociale ou pas, la manière dont elles les orchestrent, dont elles les mettent en œuvre, et aussi un phénomène tout à fait important euh, et intéressant que Joan Tronto met en avant dans cette réflexion euh, déployée au fil des années 2010, c'est la manière dont vont sans, sans chasser, pardon les niveaux euh, micro et les niveaux macro d'action. Comment euh, vous et moi, euh, nous prenons soin euh, euh, de nos grands-parents, par exemple, ou de nos enfants, ou d'élèves à l'école, dans des pratiques extrêmement quotidiennes, dans des liens affectifs, amicaux, etc. Et comment ces éléments s'articulent à des politiques. De, de prise en charge, euh, euh, notamment aujourd'hui, évidemment, euh, dans les sociétés contemporaines, euh, à l'égard des personnes âgées, à l'égard des personnes dépendantes, en fait. Et quel est le lien entre ces micro-pratiques et euh, les politiques Donc c'est tout cela, en fait, que l'éthique du CAIR permet de mobiliser comme questionnement euh, et clairement pour affirmer euh, une forte interdépendance des êtres humains, si je devais retenir... Euh, voilà, un point pour présenter l'éthique du Caire, c'est contre cette vision d'un individu autonome que j'évoquais au début, qui est le substrat d'un certain nombre de théories, c'est euh, au contraire l'affirmation de l'interdépendance des êtres humains entre eux et des êtres humains et du vivant euh, plus, euh, plus largement. En contexte médical, cette notion de soutien à la vie permet de mettre en évidence, je dirais, différentes manières de soigner et de prendre en charge les personnes malades. L'idée de soutien à la vie qu'on peut mobiliser donc à travers l'éthique du CARE, elle est d'abord précieuse parce qu'elle permet d'aborder une question qui est extrêmement difficile, qui est celle du soin offert aux personnes en fin de vie qu'elle soit déjà hospitalisée ou euh, entre la maison et l'hôpital, dans des institutions de soins de suite, dans des maisons de retraite. Euh, c'est un peu contre-intuitif, mais je pense que c'est extrêmement important et c'est le, le cœur vraiment euh, de, de mon livre, je pourrais dire, euh, de poser la question du soutien à la vie dans les situations de fin de vie, alors que la mort est prochaine euh, et qu'on a tendance finalement à un peu rabattre euh, euh, la vie des personnes sur la perspective de cette mort prochaine. En fait, il y a tout un espace qui offert pour euh, avoir une relation avec la personne euh, dans la mesure où elle est encore consciente bien sûr euh, à même d'avoir de, de, au moins une, une, un échange affectif euh, pour lui apporter finalement un, un un milieu de vie affectif, confortant, pour prendre en compte ses souhaits qui peuvent être des souhaits de, de ou, ou associés à une sorte de désir de mourir, ça aussi il faut être capable de l'écouter et le prendre soin, et aussi une manière de faire place à la discussion, quand elle a lieu, sur ce désir de fin de vie. Un premier point ou une première facette de l'idée de soutien à la vie en contexte médical c'est d'aller justement explorer cet espace qui est celui de la fin de vie et qui a priori euh, Justement est un espace qu'on qu déserte un peu parce que la vie s'en va et euh, il faut en explorer donc euh, avec la personne concernée euh, les, les différents euh, les différents aspects et la manière dont on peut accompagner au mieux la personne. L'autre point, je pense que cette notion de soutien à la vie permet aujourd'hui en particulier de mettre en avant, c'est euh, justement toute cette médecine dite de l'accompagnement. Alors cette médecine dite de l'accompagnement, comme j'essaye de l'expliquer dans l'ouvrage, elle a pris son essor d'abord comme un une médecine qui échoue, euh, une médecine qui ne parvient pas à guérir les malades, euh, et elle s'est d'abord vécue d'ailleurs. Sur ce fond d'échec, un peu comme une médecine de seconde zone, de second rang. Et puis, euh, je dirais, depuis une cinquantaine d'années, c'est une médecine qui se déploie avec de plus en plus d'ampleur, justement parce qu'on a de plus en plus de euh, personnes âgées vieillissantes, de plus en plus de malades chroniques, de plus en plus de personnes qui sont atteintes de maladies, donc dont elles ne vont pas guérir, mais dont elles ne vont pas mourir tout de suite, et qui nécessitent tout au long de leur vie euh, une prise en charge particulière. Donc ce soutien à la vie, euh, il vient marquer en contexte médical différentes formes d'accompagnement au long cours, de très longue haleine, et qui mobilisent non, non seulement les acteurs du monde médical, les professionnels de la médecine, mais aussi euh, la famille, les amis, des associations, donc un cercle très large d'acteurs, euh, et qui justement renvoie à cette notion de caring with » que j'évoquais tout à l'heure avec Joan Tronto, et qui nous, finalement les petits gestes personnels, individuels qu'on peut faire à des enjeux euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus politiques. Et je dirais peut-être en fait que le troisième élément du soutien à la vie euh, qui me paraît très important de mettre en avant dans cette approche irriguée par l'éthique du care, il tient à la place que l'on accorde à la personne dans la détermination des projets de soins, des décisions thérapeutiques. Euh, et euh, l'idée vraiment qui est importante ici à mettre en avant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une attitude bienveillante à l'égard des patients, mais aussi de leur pos de les positionner dans une forme euh, être acteur de sa propre prise en charge, de son propre devenir, faire preuve d'une sorte de d'écoute active et mobiliser vraiment la personne et ne pas la réduire à sa passivité d'être malade. C'est aussi une façon effectivement d'être en soutien à la vie dans ces situations pathologiques. Et je dirais pour pour terminer puisque euh, c'est une des pistes qui est explicitement ouverte par l'éthique du care et qui aujourd'hui est un enjeu très clair pour la médecine, les professions médicales, les institutions et les politiques de santé que cette question du soutien à la vie elle se pose au-delà de l'humain et elle impose effectivement euh, d'être en prise avec des questionnements qui sont d'habitude traités euh, en dehors de la médecine, à côté de la médecine, et qui sont des enjeux environnementaux liés au dérèglement climatique, à la réduction de la biodiversité, bref, tous les changements que l'aujourd'hui l'on évoque euh, sous la forme de la crise environnementale. Et la médecine, en réalité, n'est pas... Euh, Préserver de cette crise environnementale et est amenée à se poser un certain nombre de questions, non seulement sur la manière dont elle fonctionne, sur la manière dont les problèmes de santé sont liés à des, directement à des enjeux environnementaux. L'enjeu du changement climatique constitue un cas paradigmatique puisqu'il y a un certain nombre d'effets sanitaires liés au changement climatique qui commencent à être connus et analysés. Et la médecine, aujourd'hui aussi, donc doit se positionner finalement euh, par rapport à cette question de l'interdépendance entre les êtres humains et le vivant et peut-être trouver d'autres voies euh, pour, pour s'exercer. Et à l'intérieur même du monde médical, on voit cette réflexion prendre son essor, notamment à travers l'idée d'une santé planétaire qui, doit, euh, qui devrait devenir un petit peu le mot d'ordre et le mot directeur de toutes les politiques de santé. Donc, réappréhender la santé des êtres humains dans une santé élargie à l'ensemble du vivant et surtout une prise en compte des enjeux liés aux crises environnementales dans les manières de pratiquer la médecine. C'est en ce sens qu'on peut parler ou en tout cas explorer la piste d'une médecine écologique au sens d'une médecine ressaisie dans son milieu de vie et en prise avec les questions liées au changement climatique et aux crises environnementales, donc qui prendrait en compte vraiment cette interdépendance des êtres humains et du vivant.